Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 24e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, comme vous pouvez le constater, évidemment, il y a encore... c'est toujours mon nouveau micro, hein, je suis pas repassé à l'ancien. J'ai essayé, pour cet épisode, du coup, de mettre des draps dans ma chambre pour essayer de faire une sorte de studio, c'est-à-dire pour atténuer les bruits dus à la réverbération du son sur les murs. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va être un petit peu mieux. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais bon, voilà, on va essayer avec ça. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé... Bah, on était... Je sais pas comment appeler ça, en fait. C'est un foutoir sans nom. Il y a même des gens avec juste 21 Pékin. Et d'autres avec plus de 100. D'ailleurs, je suis parmi ceux qui ont le moins. On va camper. On va attendre ici un certain temps. On va mettre du contrôleur. Je peux pas... Enfin, j'ai pas envie de partir, quoi. Baston, 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 on va essayer de les aider. Rééquilibrer un peu le bordel. 85 contre 68, ça va être un peu chaud. Mais ça devrait passer. Tenez cette position. Du combien contre combien? En fait, le micro est devant. Oula, attendez. Voilà. Ok, d'accord. J'aime bien, je leur passe derrière. Je passe crème derrière, quoi. J'ai infligé des dégâts au cheval, mais... C'est ça qu'il y avait le roi dans le tas, quoi. Non mais... J'aurais voulu le mec qui s'était interposé, quoi. Je crois que j'ai fait une connerie. En m'engageant là-dedans. Voilà. Je crois que j'ai un peu fait une connerie. Ok, ok, ça c'est du stress, ça c'est du stress. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'il y a énormément de cavaliers, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je... Ok, ok, ça passe. Non, ouais. M'empêchez pas de passer, non. Vache. Je suis concentré, désolé si je dis pas grand chose. Vache. Et je suis encore en vie, quoi. Non! 24 morts déjà. Perte ennemie. On va se quitter. Oula, qu'est-ce qui s'est cassé la gueule? Ah!
Bon, bah, c'était mon montage technique derrière qui vient de se casser la gueule. Bon, bah, on va se casser. Il faut 4 soldats. Oh la vache, j'ai perdu tellement d'unités. C'était con. Mais c'était con. En plus, j'ai perdu mon cheval. Allez. Du coup, j'ai pas énormément d'unités. Combien j'en ai mis dans la baston? 5. C'est vrai que moi, j'ai pas de bouclier. Bon, alors, je vais me cacher derrière quelqu'un. Toc, je vais mettre dans le lot. Il va falloir que je refasse des équipements là, parce que... Oh, on était à 69! C'est con! C'est complètement con! Attends, c'était à moi ça, l'ancien vétéran Rodok? Ouais, c'était à moi! Oh la douce quoi! Ça va être encore l'épisode de la louche, je sens. Laissez-moi passer, bande de trous du fion! Je me fais taper en plus! Boum. Ah! Voilà. J'arrive, salopard. Tu sais pas viser. Ok, c'est là-bas que la baston se passe. Chaud. Combien j'en ai perdu? J'en ai perdu un. Oh là 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 là. C'est pas cool. Alors toi, t'es con. Oh, j'ai le niveau 20. Je suis niveau 20. Ta-la-ta-ta-ta-la. Je suis niveau 20. Par contre, je suis vraiment pas en bonne position. Je fais des dégâts. Je sais pas sur quoi. Je sais pas pourquoi. Mais je tue pas en fait les adversaires. Oh la loose quoi. Allez, on continue. Oula, attention. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire attention. Arrêtez de vous mettre sous mes coups d'épée. Allez, c'est là qu'on va s'amuser ou pas, parce que là, je me prends un coup, je suis mort. Oh! Ils sont combien là? Oh putain de... Oh la vache. Ils sont apparus comme ça là. En mode YOLO, je sors tout de suite et je me mets dans vos pieds. Et je suis encore en vie. Ouais! Qu'ils arrêtent les sorties en mode ninja là. Et pas fair play. Tiens, arrêtez de te protéger. Faut arrêter de se protéger derrière les boucliers, ça sert à rien. Je défonce tes boucliers. Voilà.
Il en reste encore? Toi la vache. J'ai deux morts et un blessé. Ouah. Oula. On se méfie, on se méfie. Jusqu'à dans le coffre. Et boum. Et boum. Et boum. Ça, c'était badass. Bon, par contre, là, clairement, il faut qu'on s'améliore. J'en ai perdu un petit paquet. 36. Il faut que j'aille me racheter des canassons. Coucou, Rogravette. D'accord. Ok. Ok. Bon, je parle avec 2-3 gens, histoire de faire monter un petit peu les relations. Voilà, 2 à 3. Moins 2 à moins 1, voilà. Etrusk, 9 à 10. Ah. 9 à 11. Détruire le repère de bandits, cool. Alors, attendez, on va partir. Oula, j'appuyais pas sur les bonnes touches. On va aller du côté de Praven. Attendez, combien de temps il faut que je fasse pour... Camp de bandits des montagnes. Donc, je suppose qu'il faudra aller aux montagnes. Je vais par là, je vais aller du côté de Pagundours pour voir ce que ça donne. Récupérer des unités. Passer à Veluca voir si je peux pas me choper un canasson. Parce que là, à pied, je me sens tout nu. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Oh la vache, il reste plus rien de leur armée, quoi. On va qu'on se fasse le château de Tévarin et le château de Thibaut. Allez, go! La construction du moulin de Pagundour est terminée. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Allez! C'est un peu long. Bon, encore heureux qu'on ait un... Enfin, il y a la carte est suffisamment grande pour que je finisse par avoir le... Le deuxième fief qu'il me faut. Enfin, du coup, je sens que la série va durer 50 épisodes. Ce qui est pas pour me déplaire, mais au bout d'un moment, ça risque d'être un peu répétitif. Pour vous, en tout cas. Alors, Pagundour. Je pense que je ferai le tour un peu des villages alentour aussi. Un domaine. 8000. Waouh. Tour de guet. Ça fait quoi le domaine? Un domaine vous permet de reposer au village. Ah, c'est pas mal. 1 école. J'ai pas assez d'argent. Je sais. Alors... C'est vrai que j'ai un max de trucs, moi, à vendre. Renommée du personnage 211. Ah oui, il faudrait peut-être que je up level.
Non mais... Gestion des prisonniers, ça peut être cool. Vitesse de voyage, c'est cool aussi, quoi. Sens de commandement est à fond. Ok, on va mettre ça. Il est du côté de Veluca, après Shaiza. Visiter la ta taverne. Oula. J'appuie sur les bonnes touches. Cavalerie mercenaire, Ashnik nomade. Ok, y a rien. Chevaux, chevaux, chevaux. Faudrait que j'augmente mon équitation d'ailleurs. Cheval de selle. Ah, il est pas mal celui-là. Ça me coûte 444 deniers. S'en fiche, on va virer de port. La peau, les... Attends, on va les garder. La laine, on va virer. On recevra 365 deniers. Non, 815, c'est beaucoup. Vache, ça sort super bien, quoi. Marchand de biens. Velours, là. Déjà, rien qu'avec ça. Oh, les épices. Les épices qui... Oh lolo, je sens que je vais m'éclater. C'est quand même vachement bien de piller des villages. Mais que en jeu, hein, parce que là, c'est dans la vraie vie, c'est pas cool. N'interprétez pas mal ce que je dis. Voilà. La poterie. Non, il faudrait une option pour trier parce que là. C'est un peu craignos. Voilà. Plein de sous. 1504 deniers. Voilà. D'ailleurs. Non, pas ça. Rapport. Budgétaire hebdomadaire. Je suis à plus 258. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, ça va beaucoup mieux. Personne ne veut me rejoindre. Allez, on va voir s'il n'y a pas des bandits des montagnes dans le coin et si on peut pas recruter des gens-gens. Oh oh, 51 bandits des montagnes, je pense qu'on va avoir le droit à une baston. Normalement, j'arrive à gérer les bandits des montagnes. Et on peut y aller là? 49 contre 51. Allez, go. On va voir ce que ça donne. Bon, ça reste des bandits de montagne, faut pas non plus abuser. Voilà, je vais les choper alors qu'on est en plaine. Ouf. Alors là, celui-là, je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Ça, je trouve ça génial. Ils me courent tous après. Boum. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il attendait avec son marteau. C'était bizarre. Ah, raté. Ah, ça fait 20 minutes. Je peux pas appuyer sur le truc. Ah, ah, voilà, c'est bon.
Jamais fait gaffe, mais est-ce qu'on voit des femmes dans les bandits d'Immortel? Je crois pas, hein. Oula! C'est vrai qu'il y avait des renforts. Il est pas mort. Voilà. Toi par contre t'es mort. Toi tu t'en vas pas. En fait faudrait que j'en assomme un. Ah. Je sais pas si j'en ai assommé hein. Ah si j'en ai quand même assommé. Capturer 2-3 Gugus. Voilà. Du matos à revendre, c'est toujours bien. Il n'y a plus de place. Bon. Ok, d'accord. Je pensais qu'ils me diraient où était leur cachette. Mais il semblerait que non. Ok. Il faut trouver la cachette des bandits des montagnes. Ah oui, ça fait 20 minutes. On va donc arrêter là l'épisode. Eh ben, c'était très sympa, même si j'ai fait une grosse connerie en début d'épisode là. À m'attaquer au roi et au Gugus à 70 là. Pff. C'était un peu n'importe quoi. Enfin, c'est pas très grave. On va essayer de refaire un petit peu les stocks de combattants. Voilà, déjà qu'on remonte un peu. Mais de toute façon, il faut un peu du sang neuf de temps en temps. Ouais, bon. Il faut aussi que des gens viennent me rejoindre aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Salut à tous !